La réalisatrice Agnès Varda a reçu, samedi 11 novembre, un Oscar d'honneur, la plus grande récompense du cinéma américain, à gravis l'occasion de la cérémonie des Gouverneurs Awards, à gravis Hollywood. Elle a reçu cette distinction des mains de l'actrice américaine Angelina Jolie pour récompenser l'ensemble de sa carrière. Cléo de 5 à gravis 7, l'une cante, l'autre passe ou encore les glaneuses et la glaneuse. Ces dernières années, l'Académie du cinéma a souvent utilisé ses prix d'honneur pour récompenser les cinéastes qui n'ont pas reçu d'Oscar. Malgré sa riche carrière, la réalisatrice féministe Agnès Varda n'a même jamais été nominée pour cette cérémonie. Elle a tout de même reçu une palme d'honneur au Festival de Cannes en 2015. Anführungszeichen C primé fait extrêmement plaisir, a-t-elle confié au Parisien. D'abord parce que c'est une récompense que je ne prends à gravis personne. Ensuite parce que mon cinéma fa être mis en lumière alors que je n'ai pas fait de succès suffisamment commercial pour être récompensé lors des Oscars traditionnels. Anführungszeichen. Récompensé à gravis Cannes. Et dans une interview au Monde, à gravis la question si cette Anführungszeichen récompense est un acte féministe Anführungszeichen, me va da répond doppelpunkt. Anführungszeichen nun. C'est une affaire rechts de cinéma. Mais avec beaucoup de femmes en joie. Lena Dunham réalisatrice de la série Jasmine Vitera a gravis entrée en scène et Angelina Jolie me remettra la statue. Et, dans le débat qui décide de ces Oscars, c'est Laura Dern actrice dans Blue Velvet, dit un, qui m'a proposé. Anführungszeichen. Lire l'interview d'Agnès Varda Doppelpunkt Anführungszeichen les féministes ont raison de égoïler Ausrufezeichen Anführungszeichen. Durant sa carrière, me Varda, 89 ans, a été photographe, cinéaste, puis plasticine. Elle est désormais d'orchestre la restauration de ses œuvres et celles du cinéaste Jacques Demy, mort en 1990, dont elle a partagé la vie. En juin. La réalisatrice de 89 ans, une des dernières représentantes de la Nouvelle Vague, a réalisé un documentaire avec les photographes Street Artiste Jr. intitulé Visages Villages qui a reculé le dos du mal le documentaire du Festival de Cannes.